Bonjour les enfants, allez, plus qu'un jour et puis normalement, j'espère, hein, si tout va bien, que l'on se reverra demain. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter une histoire un peu rigolote, un peu triste, mais qui finit bien. Alors, regardez. Cette histoire, c'est celle-ci. C'est Bzou, une mouche pas si moche. Moche, ça veut dire qu'on n'est pas beau. C'est un livre qui a été écrit et illustré par Cécile Mordillo. Alors voyons. Allez, c'est parti. Bzou est une mouche bien sympathique. Elle est gentille. On aime bien, mais elle est malheureuse. Du coup, elle doit être triste. J'en ai assez d'être une mouche. Je suis vraiment trop moche. Car voilà ce qu'elle désirait, mais plus que tout au monde, devenir une abeille. Oh, toutes ces rayures. Oh, comme c'est beau, pensait-elle. C'est ainsi que le soir venu, Bzou fit un drôle de rêve. Elle était devenue une magnifique abeille. Oh là là, quel bonheur! Le lendemain, notre petite amie avait transformé son rêve en réalité. Mais lorsque les abeilles l'aperçurent, elles rirent aux éclats. Oh là là, ma pauvre! Oh, le jaune n'est décidément pas ta couleur. Oh là là! Oh, elle se moque d'elle. Bon. Elle avait pourtant fait du bon travail. Toutes ses rayures, peintes avec du pollen, étaient plutôt réussies. Oh. Bzou s'en alla le cœur brisé. Soudain, elle entendit des sanglots, des pleurs, et vit une adorable petite abeille qui pleurait à chaudes larmes. Je suis vraiment trop moche, pleurnichait la malheureuse. Pourtant, Bzou l'a trouvée. Très, très mignonne. Et la petite abeille insista. Je suis moche, car je suis une mouche. Et là, oh, ce fut le coup de foudre. Que tes dents sont blanches. Tes yeux ressemblent à des perles d'Orient, se lançait-elles mutuellement. Elles décidèrent dès lors
de ne plus essayer de ressembler à autre chose qu'à de magnifiques mouches. Et d'ailleurs, ce jour-là, et depuis en tout cas mémoire d'insecte, hein, on n'avait jamais vu d'aussi jolies mouches. Bzzz. Fin. J'essaie de me passer. C'est un joli livre, ça, hein, sur l'acceptation. Et puis, il y aura toujours quelqu'un pour nous trouver beau de toute façon. Allez, et à demain, les enfants. Au revoir.